Expliquons-nous ici. Bon, nous sommes présentement dans une plantation où il y a un tas de cacao. Et il y a également. Donc, voilà, plantation de cacao. Il y en a plusieurs. Heureusement, certains sont atteints par une maladie. Bon, oui. C'est pareil. Mais ils ont maladie ou bien ils ont peur dans le temps. Mini. Bakakao. Bakakao est beau takanango. Maintenant, na période nango bango ba botaki, ba ça déjà ba cueillette nango. Hein? Bon maintenant comme ah écoute est-ce qu'on a période à saison sèche et ça le col là est kangama. Maintenant tango bangvule bandoya au bêta. Ba jus production encore ya mai. C'est là ba ko produit ko bando bota. OK. OK, là c'est clair. Ça va. OK. Là on nous sommes en train d'attendre le cacao, on va essayer de goûter au cacao, le cacao de cette plantation. La plantation est très très grande. Et voilà les cacao qui arrivent. Comme ça, toi. Où ? On est. Casse. Pac, pac. Ah. Super. Là, non, là, non, non, non. Là, elle a la pourriture. Hein? Ça, c'est une pourriture. C'est là, elle n'est plus mangeable. Ça, c'est une maladie. Ça, tu ne peux plus manger. Donc, ça, c'est gaspillé. Une dit la pourriture. Mais ça, là. Non, voilà. Ça, là, elle est bonne. Celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est bonne. Alors, on connaît pas les deux. Attendez-vous. Celle-là aussi elle est bonne. Je suis gagné. En sus, c'est seulement plus. En sus. En sus. Ouais. C'est avec ça qu'on fait le. C'est avec ça qu'on fait le café, non? Oui. Café. Oui. Café, chocolat. Ouais. Bah, on va comme au croquet, on va grainer ou ananas. Bah, ceci est caca. Maintenant, on va sécher quand on sait qu'on est humide bien. Pourquoi bonza et au lit, et comme à café. Ça change de couleur, c'est maintenant le chocolat. Quand c'est séché, hein? Quand c'est séché, c'est carrément le chocolat. Ah bon? Mais ensuite, je vais sécher les graines là. C'est bon. Voilà, autant approche. Explique, quand on sèche ça, ça devient le chocolat. You know, when the white, it becomes chocolate. I would try the experience. You don't want to stop. On pourrait amener ça même jusqu'à Brazza comme ça, ça serait même pas du tout. Prends ça, c'est bien. Ça, c'est bien encore. Ça, c'est des cabos. Ça sent encore bien. Très bon. Ça mange chocolat. Ça mange chocolat. En avance. Bien gaz. Bien caméra. C'est bon. C'est bon. Donc, vous produisez du chocolat ici? Non, mais un peu plus. Ici,
réellement. Après cette cueillette séchée, on fait des sacs. Après des sacs, on fait une vente. Hein? Peut-être que le diamant, il vient, il l'achète et il amène. Vous avez le diamant ici aussi? Le diamant, c'est... ce sont les opérateurs économiques là. Ah, d'accord, on appelle diamant. Un diamant. Tout comme Olam. Hein, à combien vous vendez le sac? Le sac à combien de kilos? Le sac à 50 kilos se vendait à 65 francs le kilo, donc ça faisait 65 000 francs. 65 000 francs le sac de 5 kilos. Le fruit, la coupe. Le fruit, non, on vend pas ici. On vend, ici, là, on vend pas. Ici, ils vendent par sac, kilo. They don't say in detail, but it's in the back. Yes, but it's... 100 euros. It's only this. They don't say it here. Il dit quand il sèche, après avoir séché les grains, on met dans un sac. Et on vend le sac. So first they dry it, okay? And then they put it in the back. 100 euros. 100 euros. The back. 100 kilos. 100 kilos? How much? 100 euros ou 100 kilos? 100 kilos, hein? 100 euros. Non, le kilo à 65 francs. Ouais, 100 kilos. 1 kilo. 100 kilos, ça te fait 65 000. 65 000. Non? Oui, 100 euros. 100 kilos, 100 euros. 100 euros. Mais il y en a aussi des sacs où il limite seulement à 50 kilos. 100 kilos, sac, il en vaut seulement 50 000. Hein? 100 euros, 100 aujourd'hui, kilogramme. C'est ce qu'il faut. Euros, c'est kilogramme. That's 1 kilo, 1 kilo, 65 francs. 1 kilo is 65 francs. Il y a un euro courbe, il y a un dollar. 1 kilo is 65 francs. Yeah. 1 kilo is 50 francs. Franc. Du coup, on va cabos dans la ligne. 10 kilos de dollar. Courbe, pas mal. Le sac de zogue, on a bien là. Le même pour pouvoir dire. Le chapeau sans la pépinière, non? La pépinière va cabos. Voyons. Bakoum dans moi. Ça, c'est langue à cacao aussi. Ça va. Dieu m'en a bien heureux sans moi.